Bonjour la VOD. On est sur The Baby in Yellow. Un jeu bizarre. Yannick sans son. Ah oui, avec ou sans son, j'ai dit ça. C'est vrai, merci, merci. Effectivement, effectivement, j'avais déjà oublié que j'avais dit avec ou sans son. Désolé, désolé. Là, pour le coup, ton jeu de mots est valide. Je le valide tout à fait. Et du coup, il se trouve que, voilà. Nous allons enfin pouvoir goûter au rêve que toute femme doit avoir, c'est-à-dire posséder un enfant et s'en occuper corps et âme pour le restant de sa vie. Évidemment. On va tester ça tout de suite. Mais le bébé a l'air d'être un petit peu bizarre. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je connais pas trop de choses, mais... Alors, du coup, la sensi va être affreuse, c'est ça? La sensi va être... J'ai pas pu régler la sensi. Ah, là, je peux la régler ici. Ok. Ok, QWERTY. Le jeu dans QWERTY, on connaît. J'ai baissé un peu trop le son du jeu. Je pense que je vais remettre un peu plus fort. Voilà. Et ça, c'est le baby yellow. Ah, il gémit à chaque fois que je touche, disons. Comme certaines peluches. Ça, libérer l'âme. Une âme piégée par le bébé en jaune a été libérée. Hé ! Qu'est-ce que tu pièges, toi ? Il n'a pas de paupières. Oh, il a un petit bobo. Et il a des gants. La tête du gosse, quoi. On va le mettre devant la télé. En tant que babysitter, je sais ce qui est bon pour lui. Bon, c'est pas grave, c'est de la lumière, mais après tout, c'est bien. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Ah, nourrir le bébé. Oh, vivons dans le frigo. Attends. Je libère les âmes avant. Je connais ce jeu. Bah oui, j'imagine que je suis pas la seule personne au monde y avoir joué, c'est possible. Tiens. Tu veux un œuf? Pardon, j'ai pas fait exprès! Excuse-moi. Je pensais que ça allait le poser et qu'il aurait son petit œuf avec lui. Ça... Attends, je vais te laver. Excuse-moi. Voilà. À tes propres. La tronche. Oh, le simulateur de maltraitance. Moi, je te pose sur le pain. Presque. Ok, le biberon. Ah. Oh, direct, instant, quoi. C'est ressorti tout de suite. C'est du fromage? Ouais, un bébé complet. Allez, viens là. Ok, faut le changer. Nous en fais pas un sandwich. Écoute, c'est pas ma faute. C'est le jeu, il me laisse faire ça. Attends. Du coup, là, j'ai une couche. Ah.
Bon alors. Mes bébés au lit. Ok. Attends, avant je voudrais voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, faut que je ramasse 4 âmes. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Faut que je ramasse 10 âmes. Ok, ok. Comment va la jeune maman? Écoute, c'est que du bonheur. Non, je vais pas faire ça. Non, et... Ah, attends. Oh, il est horrible. Oh, il est horrible. Il est terrifiant. Non, mais regardez, je peux faire ça. Et ça, c'est quand même ouf. Attends, petit machin, je ferme la porte. Non, je déconne, je vais te laver. Ah, mais je peux pas. Non, bah, je vais te donner un truc que tu vas bien aimer. Oh, du coup, il boude. Attends. Tu veux un champignon? Oh, je veux pas. Ah merde, j'ai plus de... Bon bah j'ai plus de biberon. Oh, je suis désolée. Gotti, salut Soutan. Soutan qui débarque maintenant sur Saturne. Non, mais le bébé il fait la gueule, je voulais pas faire ça. Oh non, mais. Le bébé, je peux pas le. Il fait la tronche. Il est horrible, c'est qu'il tient de son père. C'est pas ma faute, hein. On a tout fait pour. Allez. Et Toto? Ah, faut trouver un livre. Tiens, le prince et le chat. Tiens, lis ton bouquin. Hop, prends ta clope. Oh, mais c'est pas... Ah, voilà. Across the shore, in distant lands. De l'autre côté de la rive, dans les terres lointaines, sous une voûte d'étoiles pâles, le prince dormait à poings fermés jusqu'à ce qu'un chat saute sur son lit. J'ai trouvé un jardin secret, dit le chat en ronronnant de plaisir. Ils se précipitèrent alors dehors, à travers les voiles de la nuit. Ils franchirent le portail doré du jardin. Regarde ces beaux arbres. Ils marchèrent le long des allées de gravier. Regarde ces fleurs colorées. Ils passèrent devant la fabuleuse fontaine jaillissante. Regarde l'eau qui danse. Regarde. Regarde. Ne fais pas chier. Ah, c'est fini ou pas? Ouh. Mais le prince n'aimait pas le jardin et commença à défoncer les arbres sa mère. Il déracina les fleurs, saisit les haies et arracha les feuilles. Il saccagea tout juste pour s'amuser. Le chat terrifié assista à la scène. « Qu'ai-je fait ? » s'écria le chat. « Je n'aurais jamais dû l'amener ici. » Belle histoire. Oh, tu dors ? Je te donne des jouets. Comme ça, t'es content. Tiens, j'ai des jouets. T'aimes bien les chats? Attends, je mets des peluches. Attends, je donne des jouets. Mais j'ai plus les jouets. Oh si, j'ai un cube. Enfin, un rectangle. Voilà, toi tu feras pas cette erreur parce que t'auras dormi avec. J'ai donné les jouets, moi. Tu bien? Bisous, hein.
Et ma couille. C'est le cas de le dire. Hop. Il m'en faut encore une. Oh. De la neige bizarre au mois de juillet après un printemps si doux. Ça a commencé quand j'ai pris ce travail, mais je n'étais pas le premier. Sont avec moi. Ok. La nuit est tombée dès le premier jour, les heures s'éternisaient. La nuit tombe tous les jours, dans... enfin bref. Malgré tout, on a pris l'enfant, c'est ça? On a pris soin de l'enfant. Nous parlions d'Astur et qu'est-ce qu'un machine en leur absence. Quel péché que d'avoir des yeux aussi innocents, clairs comme du cristal. Compris par les ignorants, tout comme par les sages, plus précieux que des bijoux, plus apaisant que la musique, plus sinistre que la mort. Wouah! C'est glauque! Oh, oh, wow! Fouille la clé. Lorsque je tombais, je savais que le bébé en jaune avait ouvert leur manteau en lambeaux. Hein? Avait ouvert leur manteau en lambeaux. Et il n'y avait plus qu'à prier. Je peux pas. Il a fermé la clé. Putain, les ados, quoi. Il y a un but à ce jeu? Bah, j'ai des objectifs en haut à gauche. Faut que je regarde la télé sur le canapé. Ça, c'est mes objectifs à moi, ça. Tu remplaces ça par Twitch et c'est bon. Les ados de 3 mois, c'est les pires. C'est super... Oui, c'était mal traduit, effectivement. Ah, il y a un toutoum. C'est qui gueule? Ah non, ça c'est une peluche. Il doit être en bas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux une tomate? Oh, t'as perdu ta tomate. Ça va mieux? Moi je sais comment faire moi. Attends, je te rends ta tomate. Nickel. Tu veux ça? Tu es ridicule. Tu es ridicule. Ah, c'est beaucoup mieux. Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Ah, faut aller au lit. Tu vas au lit. Hop là. Allez, dors. Quoi? Si je t'ai entendu ouvrir la porte, hein. Petit sacripant que tu es. Qui dort? Il fait flipper, ouais, il est horrible. Il est terrifiant. Allez. Attendez. J'ai encore des trucs de chat à trouver, tiens, il y en a un là. Let's go. Ça me dit de courir à chaque fois. J'en ai 5 sur 12 du coup maintenant. Ah, il m'en faut encore une. Oh merde, je pensais que c'était bon. Et ça, je peux l'ouvrir peut-être. Il m'en faut 7 encore, merde. Bon, on va se détendre sur le canapé comme me dit le tuto. Il y a un cadavre dans son perso, t'as vu? Huga, t'es de ouf. Enfant en train de rire, regarde, regarde. N'est-ce pas amusant, babysitter? Je décide de ne pas faire ça. Mais il parle... Il parle à deux mois, là, le machin. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Regarde sa cartoon. La couche? Non, c'est bon. Bon, ça fait 2 jours. Puis maintenant, il est en chat, il a une litière. Non, par contre, je lui ai donné une tomate. Parce que bon, c'est important les légumes. Oh, ceux qui disent nignet, tiens, fruit nignia. Hop là. Yeah. Ça veut dire qu'il a les yeux chelous, quoi, Stach.
Hop là. Eh oh, oh bâtard, qu'est-ce... Oh putain. Oh là, oh là, je vais niquer la porte à coup d'œuf. Il m'a enfermé. Il m'a enfermé. Il m'a enfermé. Oh. C'est bon, t'as fini tes conneries? Attention. Moi, je suis en train de manger tous les trucs de bébé. Miam, miam, miam. Mmh, c'est bizarre un peu comme goût. C'est bon, j'ai le biberon. Eh, t'es... Hein? Ça va pas, non? Franchement, tu vas te prendre un petit œuf, toi, avant. Dans ta gueule. T'apprendras à m'enfermer. On mène le bébé à la table allongée. Ah oui, effectivement, faut le longer. Quoi? C'est comme ça qu'on les éduque. Oh merde, désolé. J'ai pas fait exprès. Oh, me veux pas sur la bouille, t'as jamais rien fait tomber, toi? Mito, tu fais tomber tes tomates tout le temps. Psychopathe. Vu ça? C'est toi? Non mais je vais pas te foutre ça sur le slip, enfin, je vais pas te foutre ça sur le zizi, là, c'est vivant. Attends, viens, on va le marave, hein. Ah, je peux pas. Attends, attends, faut que je fasse un petit truc, alors. Hop. Ça, c'était gratuit. Bon. Du coup, t'es vivant et t'es sur le sexe de mon enfant, tout est normal. Moi, ça me plaît pas beaucoup, hein. Bon, je vais cramer, en fait. Je vais te cramer, je pense. Attention, je vais t'envoyer un œuf, tiens. Ah, mais non, mais il a dû monter à l'étage. Attends. Et gamin, attrape. T'as de la chance. Attendez, je vais là-haut. Oh, mais t'es là! Mais tiens. Mais vraiment? Je poursuis un slip! Je poursuis un slip d'enfant! Oh, la clé! Oh, j'ai trouvé une clé! Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, bon, tant pis, hein. L'autre il baigne dans sa chiasse, mais on verra. On est là pour le moment. Oh. Oh. Ben, c'est fou ce que peut faire Midjourney maintenant. Ça ressemble presque à une œuvre d'art. Le tableau semble incomplet. Ah. Eh ben, donne-moi un pinceau, je vais arranger ça. Ok. T'as fini tes bêtises là? Quoi? C'est pas moi, c'est le slip qui a commencé. Bon, je me rends compte en le disant à haute voix que c'est chaud, mais vraiment, vous avez vu, vous êtes témoin. Il y a l'avare, quoi. Ok. Ah ouais, je prends un œuf. Oh bah dis donc. Il est où le slip du coup? C'était comme... il est parti où? J'ai pas vu. Ici je pense. Ah il est peut-être dans... Oh mais c'est... J'ai une chambre! Mais c'est pas ma chambre mais... Dégage! Putain! Le slip, il a niqué ma chambre! Regardez, regardez! Il est fait en Kevlar, ce slipper, là! Il a éclaté le mur! Oh,
costaud le slip, ouais. C'est pas ce qui m'a fait ton slip à toi. Oh putain. Non mais obligé là. Ah, je vais pouvoir l'ouvrir. Tu vas me faire le plaisir de tenir ton slip. Je viens d'entendre. Alors, un pistolet à fléchette en mousse. Let's go. J'ai tout pris. Moi, je joue avec des super jouets. Et toi, t'es nul. Attendez. Non, mais c'est vrai, je devais te mettre ton slip. Tiens. Tu boudes encore? Ça va, je t'ai balancé que 3 œufs. Ah. Attention, je suis armée. Pardon, j'arrête. Tu m'as réussi la fan. Ça fait de la... Ah. Ça fait de la musique. Merde. Fais la musique de JDG. Je fais tout pour toi. Hein. Tu as un avion? Bébé va fêter ses 9 mois, effectivement. Oh, la voiture est banger! T'as vu? Oh, la voiture de fou. Hop là! Tu lui as fait changer de trage! C'est bien, bébé! Bon, allez, je t'emmène au lit. De toute façon, t'es un bébé. Si je prends un moment, j'hésiterai pas à te contacter. N'hésitez pas. Et dodo? Oh, il y a d'autres jouets ici. C'est quoi ça? J'en tiens un truc au hasard. Allez, le prince et le lapin. When the rabbit came to visit. Quand le lapin vint lui rendre visite, le prince dit « C'est l'heure de jouer !» Mais ses grands yeux rouges lui faisaient peur, alors il ne voulut pas rester. Très vite vers la sortie, le petit lapin bondit rapidement. J'ai dit quand il lui... Oui, c'est deux lapins. Bref. Le petit lapin bondit rapidement. Le prince courra sa poursuite en criant « Il faut l'arrêter !» Conigopetette ! Oh ! Tu sais, si t'aimes pas l'histoire, t'es pas obligé de faire ton casse-couille, hein. Tu peux juste le dire, hein. T'es pas obligé de faire comme Twitter, hein. C'est quoi ça? Eh, c'est un nouveau jouet, ça. C'est un nouveau jouet, enfin... Ah! Ouais, c'est un rebondi. Mets la bonne peluche dans le berceau. Ah! Tiens. Une peluche de toi, espèce d'égocentrique. D'accord. Ça? Ça? Un chat. Un lapin. Bah oui, je parlais du lapin. C'est ça. Continue à lire. Ok. À travers les couloirs sombres, il le pourchassa. Une fuite aussi vaine qu'attente. Tournant en rond dans le palais, hors du temps et de l'espace. Le prince n'arriva pas à l'attraper. Son cœur s'emplit de colère. Le lapin se glissa par la porte et disparut le long du chemin. Le prince s'écria « Il me faut des nouveaux amis, Velus, maintenant, un autre !»« Je t'en apporterai bientôt, ne t'inquiète pas, » répondit sa mère, aimante et dévouée. Oh ! OMG. Hop. C'est bon ? Bah, je m'en fous, je te mets juste truc, hein. Allez, bisous.
Regarde la télé, détends-toi, let's go. Ça, j'adore ça. Alors moi, la voiture, hein, avec ce moteur-là, elle est incroyable. Oh, le ballon, le ballon! Oui! Ah! Let's go. Attendez. Avant de continuer, je vais voir dans ma chambre s'il y a des secrets. C'est pas une urgence, ok. Bon, en cas d'urgence, j'aurai saut. Il y a un bouquin. Soleil double et lune étrange. Étrange comme ce titre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Toi, t'es pas à moi, hein. Quoi? Mais moi je joue bien. Oh nice. Encore plus facile. Tu as d'autres jouets coquilles, lol. Chelou la phrase un peu, non? Cringe un peu, chelou un peu, non? T'amuses bien? Ouais, c'est très bien. Oh, j'ai un toaster! Enfin, tranquille pour regarder à la télé. Mais attends, attends, je veux... Putain, je peux même pas utiliser mon toaster. Et il y a d'autres programmes que... Que la rediffusion permanente du soleil. C'est pas fou. Bonne nuit, faites beau rêve, l'envent. Je vais te montrer mes rêves. I'm gonna show you my dreams. Oh, tous les jouets sont rangés. Moi, j'aime bien comme ça, je suis à l'aise. Ça fait 8. Ah, regarde la télé depuis le canapé. Encore? Ah, mais je me détends beaucoup là. On va être détendu de fou, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un œuf? J'hésitais un peu, mais ok, je viens. Quoi? Pas en fermant la porte. Ah, je me tire. Toast au fromage. Oh ouais, go, se faire le toast au fromage. Bah, il est où mon toaster? Ah. Oh, let's go! Oh, let's go! Je vais mettre ça. Non, c'est pont un peu, non? Du frometon. Ah! Salut, Hertz, comment ça va? Mettre ça. Je vais mettre ça. Mettre ça. Hop, hop. Hop, hop. Nourris donc le vilain bébé méchant. Feed me. What do you want? Oh! Attention, j'en ai. On va voir des... On va voir des gourses qui datent d'avant ma naissance. Des petites bouteilles de bière de beau papa. Il y en a un qui va avoir droit à son œuf. Je te garantis, toi, je te nique. Tu peux pas demander gentiment? Ah, tu l'ouvres moins ta gueule, hein? Oh là, on fait deux petits yeux, hein?
Amène le bébé sur la table à linge. Je vais voir encore un strip qui va m'attaquer. C'est pas le slip, c'était lui. Je crois qu'il a pas aimé le coup de l'œuf. J'ai toujours cru que c'est comme ça, moi. Bon, bah on va fermer. Un petit caca. Quoi ? Je me fais taper ! La vite à l'étrage. Ah oui, c'est vrai. J'arrive. Ensuite. Ensuite, il m'empêche. Il est où ? Il s'est fait jarter. T'aurais pu lui passer une bière. Oh, mais oui. Tu veux qu'on te lise une histoire, on fait quoi? J'aime bien quand je joue au basket. On a fait 10. Moi je sais bien jouer avec les gosses, moi. Attends. Allez, petite pluche. Tu veux quoi? Tu veux le chaud? Non. Tu veux le mouton? Tu veux le mouton? Allez, petit mouton! Ça va, c'est pas si compliqué de parole là. Partout, il faisait froid dans le palais. Dehors, la lune brillait d'un vif éclat. Le petit prince était dans son lit. Sans parler. Ah non, le vent soufflait encore et encore. Oh non, les rideaux sont maintenant grand ouverts. Le petit prince était dans son lit, sans parvenir à dormir. Aussi, il appela sa mère. S'il te plaît, va me chercher mon mouton. J'ai soif, dit le prince. Le mouton lui ramena donc à boire. Je suis sale, dit le prince. Le mouton changea donc ses vêtements. Je suis fatigué, dit le prince. Laisse-moi te compter. 1, 2, 3. Une dernière chose, dit le prince, avant que je ne m'endorme. Il ouvrit ses grands yeux rouges et se tourna vers le mouton. Rejoins-moi dans mes rêves. Demeure à jamais dans ma tête. Le mouton s'avança docilement, son esprit consumé par la peur. Les dessins sont cool, je trouve. Oui, j'aime bien le bouquin, comment il est fait. J'aime beaucoup. Effectivement, hein, moi, le gamin s'ennuie pas avec moi. Bonne nuit! Merci. Plus maintenant, un autre. Oh! Où c'est-il qu'on est?
Oh, il y a un bruit de tic-tac. Je m'en vais. Je crois que ça marche pas. Petit colis là. Bien sûr, je veux pas le prendre. Va pas en haut, let's go. Ah, je suis le lapin blanc. Je suis le lapin. Une flèche verte. Un lapin, il est là. Oh, les chuchotements. Waouh, je vais péter un câble. Mais c'est ce que j'ai fait depuis le début. Libère-moi de ces chuchotements, je vais péter un câble! Folie de Pikman. Rapidement vers la sortie, le petit lapin bondit. Putain, j'ai même pas réussi de savoir s'il y avait des âmes emprisonnées là. Mais non, c'est pas la voix de Pimon que j'ai faite, c'est la voix d'un démon. Et Pimon, c'en est peut-être un, je sais pas. Petit ASMR démoniaque, c'est l'enfer! Oh, l'ASMR, c'est l'enfer! Oh, le chat! En un. Mm-hmm. Oh, toi, tu vas te prendre une omelette dans la chaudron. Va voir un petit caca. Oh, j'ai plus d'œuf. Oh, le piano. Il faut une musique à jouer. J'en ai plein de in my mind. C'est quoi ça? Délire musical. Ah, ça c'est à mettre à l'étage, là où il y a des dessins à mettre, je pense. Non? Musique au piano. Ah, ok. Oh! Oh, le chat. Oh, j'ai une musique. Non, je m'en fiche de toi. J'ai décidé d'arrêter de m'intéresser à toi. Je peux pas lire la musique? Partition. Ah, ça je peux pas. Ok, faut que je trouve le reste. J'ai tout fouillé là? Non, clairement pas. Le frigo, il y a peut-être une partition au frigo? Une pastèque? Tabac, non. Ça, c'est des fruits, donc ça en veut pas. Hop là. Ok. Il y a plusieurs disques répartis dans l'appart, mais il n'y a pas d'endroit où jouer. N'attendez pas celle-là, hein. Ah, c'était trop drôle.
Oh, un autre disque. Dun 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 dun. Ah, faut que j'écoute l'enregistrement de Pinkman. Pinkman. Mais je veux bien. Mais je n'ai pas trouvé. Hein? Je n'ai pas trouvé de. De lect. Ah bah si, il y a ça en fait. Ouais, tu fais pas la tête, hein. Coucou. Coucou, Robin Dark. Je vais aller où? Là. Il est toujours là-bas? Y'a rien qui pleure. Ou qui rigole. Ça va, c'est de la joie. De la joie très saine. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Merci! Enfin, on le savait. Je peux tester ça? On n'a pas l'air d'être à fond avec moi. Tu peux faire ça? Bisous Cyril. Ouh, j'aime beaucoup. Et ça, je veux savoir ce que c'est. Ok, l'enfer. Donc arrête ce moment. Franchement, je... Décevant à tout point. Je suis un cactus et je m'en vais. Tiens. Allez, bisous ma couille. Alors. J'ai ouvert un truc, mais j'ai plus où c'était. C'est là-haut? C'est ça? Oui, je pense, oui. Je sais plus. Non, je viens de là. Je suis allée là-bas. J'ai ouvert quoi déjà? Putain, j'ai oublié. J'aime trop ton emoji. Ouais, l'emoji denté là, avec le petit. Le petit Kirby. Trop bien. Y'a pas de courant. Ouais, je veux bien. J'ai plus d'eau en plus. Merci, c'est gentil. Je me suis redressée du coup, vous avez vu comment je suis... Je suis pas au bon endroit là, je suis pas bien placée. Merci. Il est frit. Ok, et du coup comment je mets le courant? Je branche le gamin à un truc. Il y a du courant. Peut-être que je passe par là. Bah non. Bon, je vais voir si j'ai accès à un autre appart ou un autre truc. Oh, le lapin. Je l'avais pas vu. Ouais. Je me demande si ces peintures là comme ça ont un sens. Bientôt, le roi arrive. Ok. Ah, j'ai une boîte à fusibles. J'ai lâché. Mauvais fusible. Quoi? Faut que je mette où? Ah, c'était rose. Ok, et là c'est le bleu. Ok. Ça va.
J'en ai pas besoin, hein. J'en ai déjà plein, hein. Je peux pas lancer. Bon. Ah, mais tu l'as enlevé! Mais t'es relou! Oh. Oh. Attendez, une info là. Ok. J'ai compris, il faut que je te crame. Comment j'ai le MDP? Comment j'ai le mot de passe? Ah, 43. 43 et après effacer. Bon, 43 déjà, on va mettre. Quarante-trois zéro zéro peut-être. Non, ça serait ouvert tout seul. Ah, je suis assez verrouillée. Ah, peut-être que d'accord, toutes les infos seront ici. Bizarre un petit peu ces lucioles quand même. Sacrée espèce, hein. La nature est impressionnante. Oh, le chat. J'ai pas tout. C'est relou. Oui, bah voilà, ça prendra à être relou. Ridicule. Il manque deux chiffres. Enfin, un en fait. Après, on s'en sort bien, mais... Un ferait bien. Ah, c'est bon, là, t'écoutes, oui. Ah! Je peux ouvrir les autres. Bah, enfin. Ok. Et un sandwich. Ah non. 17. Allez. Hop là. Ça dégage. C'est bon. C'est réparé. Le bébé aussi. Il s'est tapé. Oui, il s'est tapé souvent. Il a mal pris. Susceptibles les gosses quand même. Ah, faut que je pêche aux deux clés. Ok. Ça la pète un peu quand même. Oh. Oh, ça faut pas que ça m'attrape. J'ai pas pu passer. Oh, je sais pas quand t'as de la dernière sauvegarde, ça va être chiant. Bon. 43-17 au pire. Ouais. Pour te réveiller. Ah ouais, j'en commence pas tout quand même, hein. Rassure-moi. Non, c'est pas très fun. Oh merde. Lune. Bon, ça va. Ah. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai cru que j'avais fait que mon
que mon OBS il avait encore bugué, j'allais chouiner. Ok, ok. Sympa la course poursuite, j'aime bien avec le principe de... Ah, tu dois trouver des clés. C'est la lune d'abord. Ensuite un triangle, un triangle, un triangle, là. C'est fou ce qu'ils grandissent vite. C'est chiant pour les fringues. Oui. Après, tu prends un truc taille 12 ans pour un bébé de 8 mois, au moins un moment il rentrera dedans, tu vois. Oh là là. Oh. Trop bien, The Grim Nessas pour te faire pardonner. Oh, une petite clé. Petite clé, t'as vu? Oh, quel charmant endroit. Très charmant. Je monte à l'étage tant que t'es de bonne humeur là. Enfin, toujours pas dans du 12 ans. Ok. J'aurais dû l'amener avec moi. J'ai hésité. Ah mais le son est peut-être un peu bas pour vous. Parce que j'avais baissé pas mal, je sais plus pour quel jeu. Oh, oh non, j'ai joué. Fallait que je nourrisse le bébé, mais je voulais explorer. J'ai 16 ans et je rentre dans du 18 ans. Ah ouais, et ben moi j'ai plus un certain âge et je rentre dans du 16 ans. Même 14, en vrai. Voilà. Bon, en même temps, 14-16 ans, ça équivaut à un S, alors... en fait, voilà. Pas à peine vous la péter, hein. Oh, pardon, je t'ai jeté, excuse. Oh, pardon, tu t'es pris un mur, excuse, pas du tout fait exprès. Excuse-moi, tu t'es peu pris le... Hop, tu te prends un peu des murs, je suis trop désolée. Oh, le berceau. C'est bon, on gueule pas. Oh, je suis trop désolée. Attention à ta tête, hein. Attention à la tête, hein. Non, c'est vraiment... Ah, je suis maladroite. Faut que je fasse ça en un temps limité. Mais j'ai raté le lit. Oh. Si je reculais. Alors bon, je vais avancer, on va voir. Surtout pas. Ok, merci. Ce jeu est complètement ouf. Et je m'en vais. Quoi? Ah, fallait que je double échec. Alors t'es dégoûté, hein? Oh.
La faute de la télé, c'est pas ma faute. C'est la faute de la télé. La télé devait l'éduquer, la télé n'a pas fait son travail. C'est pas ma faute. Je pense qu'il faut pas que je regarde. Ah, c'est trop drôle. Ça manque d'une petite musique un peu angoissante. Waouh! J'ai failli me faire avoir. Regarde la télé, tu tombes de fatigue. Non! Tu vas faire quoi? Hein? Oh, oh! La face de bulldog là! Bébé est très fatigué. Reviens, Nalou! Des chuchotements, non, je parle pas dessus parce que ça m'énerve beaucoup, alors il faut vraiment que je parle pas dessus. Oh. J'ai l'impression que t'es un peu chafouin. Non. Je vais là-bas. Quoi? Il veut que je... Il veut que je meure? Oh, vas-y, on part en légende. Je peux pas. Je peux pas, lapin, je peux pas. Il me dit d'aller là-bas, mais je peux pas. Il me faut peut-être une bougie? J'ai compris. J'ai compris! Dégage! Ouais! J'ai fait apparaître le paradis! On dirait ma fille dans le babyphone. Bah voilà, tu sais ce qui te reste à faire de ta fille. Toi, t'es bizarre, toi. En sorte de Kenny démoniaque, là. Ok. Vulnérable. Seul, échec. Inquiet, échec. Vulnérable. Faut que j'échoue la vulnérabilité. Rien à battre. J'échoue la vulnérabilité. J'échoue. Ah mince, c'était... Merde. Je suis censée passer par où? Faut que j'aille plus vite. Hey, j'appuie. Pourquoi je vais tout lentement? Je t'ai accroupi. Ah merde. Bah là je vois pas ce que je dois faire. Peut-être que j'aille sur la flèche en feu alors. Je vais essayer la flèche en feu. Parce que là j'ai pas d'autre issue. Mais depuis le début c'est le vert qui me guide. Ah t'as vu un truc hanté? Ah j'ai pas vu. Ok bon je vais poursuivre dans cette voie et je vais regarder mieux. Je l'avais pas vu du tout. Oh, il y a des petits jouets. Moi, je joue avec tes jouets. Et toi, t'es dans une canalisation, truc machin. Let's go, j'ai tous les chevaux. Les décors, j'aime bien.
que voir toi-même. N'arrive pas à m'arrêter. C'est trop cool. J'adore dans les jeux quand on est tout petit. Cours, petit lapin, tu n'es pas le seul. Il y en aura toujours d'autres. Bébé est devenu horrible. Un bébé normal en somme, j'aime beaucoup. De l'autre côté du rivage, dans des contrées lointaines. Oh non, on est retour dans la réalité ? Oh, chier, hein. Oh non, ça a l'air d'aller. Suis le chat. Et où le chat ? Moi, je veux bien suivre le chat. Je veux ouvrir cette boîte, je peux l'ouvrir enfin. Ok, c'est cool. Vas-y, chat, dessine. Oh. 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 Il veut pas de nous? Il est trop lumineux pour nous? Ah, t'es trop deg, loser! De l'autre côté du rivage. C'est là-bas. On va voir le chat. T'arrives, petit chat. Je suis là, petit chat. Oh non. Kia, Kia. Curiosité. Aussi vite que tu peux, suis-moi. À travers le portail, ne le laisse pas voir. On va suivre le chat noir. J'aime beaucoup ce jeu. Je m'attendais pas trop à ça. J'aime bien. Oh, il est là-bas. Et ça, je crois que c'est du contenu qui a été rajouté plus tard. Oh, le bébé. Oh, le bébé tout pourri, tout petit, là. June 2nd, log 940. Voyage pictural demeure la meilleure façon de passer d'un monde à l'autre. Je dois rester à l'écart de l'enfant ou je risque de subir le même sort que les autres. Cela étant, c'est dur de ne pas s'inquiéter et d'être suivi. Au mieux, ne pas s'attarder sur ce point. Fin de l'entrée. J'ai pas vu la date. Ah non. Entrée 940, ok. J'arrive, petits yeux de chat bleu. En vrai, les chats noirs, ils ont souvent plutôt des yeux verts. Oh, j'ai des armes. Oh, le bébé, il peut venir. Hein. Depuis la disparition de Newt, les recherches ont été grandement impactées. La frustration s'agrandit. Je me sens seule. Pas de l'entrée. Ok. Ah, Newt! Bonjour, Newt! Oh, faut mettre une pile. Ou je sais pas quoi. Bon, allez, petit chat, dis-moi tout.
peux bouger ça? Allez, je te place ici. Let's go. Celui-là, ouais, c'est pas le bon du tout, en fait. Mince, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et 3. C'est pas bon, il me faut 4. Non, il me faut 3. C'est parfait. Hop là. Bien fait le travail là. Ah, c'est chaud? Moi j'aime que tu fais le chaud. Ok, on va passer par la petite porte du champ. C'est mignon ici, on est bien là. Y'a pas le bébé, il est trop deg. Voilà, des fois vous m'entendez quand je bois parce que le micro il est vraiment mal placé. Il devrait être plus haut. Je t'ai déjà vu, toi. Bon glouglou, merci. Oh. Ça tape. Miaou. Bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il te faut? Ah, c'est Newt ça? Non? Pile cassée. Ah, la pile cassée et il lui faut une autre pile. Faut que je la trouve alors. Ok le petit chaud. Je cherche la pile. Je viens de là. Oh! Pile cassée. Faut que je répare. Ta cartouche dans, boîte à pile. J'ai une pile. Qu'est-ce que tu dis, toi? March 1st, log 334. 1er mars, entrée 344. Il s'avère être l'une des plus précieuses machins. Son aide pour récupérer le plus dangereux. Ah, j'ai pas le temps de lire en fait, flemme. Ça m'a saoulé. Salut, petit robot! Ah non, pas encore machin. Bon, c'est un robot, je préfère. Mais le robot a l'étage pour le réparer. Je vais te réparer, petit robot. J'ai aucune idée de comment. Hein. Ah, faut te mettre ici. Newt, la batterie n'est pas bien?
21. Désolé, je rate tout maintenant. C'est fou. C'est foutu. Mais j'ai un lag dans mon cerveau. Ça devrait compter, hein. J'ai envie de tous les enchaîner, ça m'énerve. Bon, allez. J'aime le robot, ouais, ça va, j'aime aussi. Il a une tête de grenouille. Oh. Oh, il m'a vomi un dessin. Ah, cartouche d'encre. Ok, ok, j'ai ce qu'il faut. Je sais que t'es là, hein. Attention, il y a un bébé qui voudra probablement te tuer, moi aussi. Magnifique. Quoi ? T'as pas de pied ? Qu'est-ce qui te manque ? Oh là là ! Un nouveau booster. Mais je sais pas faire comment fixer un nouveau booster. Il a fait un cœur, mais oui ! Oh non, désolé, tu vas te faire éjecter. Je te réceptionne. Ah, tu veux un peu d'huile peut-être ? D'accord. Bon, un booster. Un petit canard ? D'accord. Tu veux des écrous ? D'accord. Tu veux... un tournevis ? D'accord. Tu veux... une bobine ? D'accord. Tu veux... une clé ? D'accord. Tu veux... bon, j'ai plus grand chose à te proposer là. Mais on va chercher tes petits petons. Oh, je peux peut-être le... attends, je peux te poser là du coup. Plutôt bien ça. Efficace. Ça me gratouille la main. Non, pas de porte dorée. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je peux poser le pas de porte dorée ? January 22nd, log 285. Entrée 285. Mes poupées ont confirmé l'appartement 17 comme un nouveau site jaune. Le bébé et ses babysitters n'ont pour le moment aucune idée de mes activités. Est-ce égoïste pour ma part d'avoir fait des poupées pour moi ? Peut-être bien, mais qui pourrait bien me toucher, toi ? Bah super. Donc les poupées, c'est un indicateur de attention à le bébé. Un booster. Attends, j'en mets plusieurs au cas où ça se referme. Voilà, on en a trois. Deux d'avance du coup. Tiens, c'est pour qui ça? Attends, je vais te fi... ah merde! Ah zut. Désolé. Ne peut pas être fixé à la main, mais comment alors je fixe? Comment je fixe le booster? Ici? Bonsoir, Joe McCruskey.
Comment je le répare? Si la machine ne peut pas m'aider, c'est quoi qui peut m'aider? Oh, il se rapproche, j'avais vu, il est plus près. Je vais voir si je trouve ici un outil. Ah bah c'est ici. Ah mais ouais, mais je pourrais pas. Faut que je le fixe là. Ah, c'est à ça que va me servir le truc... Ok. Ok, ok. Viens là, toi. Bah non, mais c'est con, c'est pas là. Stupide. Le cale-porte magique. Du coup, il me permet de caler la porte. Et toi, je t'embarque. Et je te fous là. Et je prends ça. Et je te mets ça là. Ok. C'est bon, j'ai réparé. Le jeu, c'est The Baby in Yellow. Le babysitting se passe bien. Bah franchement, avec le robot, ça se passe vachement mieux. Hein. Par contre, le chiard, il est dans le coin et il a trop les glandes. C'est lui ça. Ça c'est lui ça. Mmh. Il a tout pété. Regardez comment il s'est rapproché, ce petit con là. Il est de plus en plus proche. Il était tout au bout du couloir. Maintenant il est quasiment là. Oh bébé bou. Oh qu'est-ce que. Ah il te faut ça. Ok pas de souci. Je t'en apporte une de ce pas. Tiens. Hein? Ils grandissent si vite. C'est un jeu d'horreur? Ouais, rigolo, horrifique. Mais non, à part peut-être deux screamers. C'est plus du fun. De l'huile, je te donne ça. Oh, il est trop mignon. Indienne. C'est sûr. Tu veux quoi d'autre? Alors le marteau, ici. Oh ! Il a réparé l'ascenseur ! Lui, il est trop deg. Il est où ? Il est où Newt? Moi je le veux avec moi. Ah là, il arrive là. Il arrive. Dans un jardin secret à l'abri des regards indiscrets, un asile à Carcosa, protégé par les sages. C'est Newt qui dit ça. Sacré Newt. Très Wally ce robot, oui, bah oui. Regardez, il bouge ce truc. Ça a bougé ça. Coucou toi! Comment ça va la vie? Oh. Vas-y, promène-toi. Moi je vais aller là. Hé hey. Oui, je veux passer. Oh. August 15th, log 633. Avec la formidable idée de redécorer. Bah c'était bien, c'était une bonne idée. Oh. Attends, viens, faut qu'on soit plus lourd. Ah, il s'est mis à tout peindre en jaune, il a été possédé par le bébé. La chambre jaune. Le jaune m'aura bientôt envahi. C'est le bébé en jaune qui l'a envahi surtout. J'y vais sans toi? Ah non, tu viens avec moi. Ah, ça va. Oh.
Un truc derrière moi ? Non, ça va. Mais c'est ravissant ici ! Tu veux en jouer ? Docteur. Ah, c'était pour rigoler, excuse-moi ! Ouais, j'ai fait le train. Toutou. Toutou. Hop, dans le chaudron. Toi, tu fais des trucs? Bon, bah, je vais faire des trucs alors. Il faut mettre du bleu plus du jaune. Du rouge plutôt, ça fait du rose. Et ça fait un bébé vénère. Ça fait du violet en fait. Ok. Comment qu'on fait ça, Newt? La gyrosphère et la porte sur l'autre monde au-dessus de la pièce d'alchimie forment le dernier bastion. Je suis en train de devenir fou. N'ouvre jamais la porte et empêche la gyrosphère de tourner sous aucun prétexte. Hein ? Si Zano ne font ne serait-ce que ralentir, il te trouvera. Fin de l'entrée. Ok. Bon, faut que j'appuie là. Oh ! Faut que je passe ici. Salut le chat ! Tu m'aides un peu ? Non, hein. Pas super. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Il mime ce Wally, bah oui. Invoque un certain gameplay. Ah, c'est... Bah, il y en a, en fait. C'est ça, le truc. Il y en a même plus que dans plein de jeux d'horreur, en fait. Mais, faut être un peu open mind. Ce qui est pas la qualité première de tout le monde. Elle flingue tout ce qui bouge. Ouais, mais j'ai. Alors, oui, j'ai jeté des œufs au bébé. Et je crois qu'il depuis, il a les glandes. Mais je crois que c'était lui qui avait commencé, quoi. Récolte la fleur réactive. Mais ouais, mais elle est où? C'est celle-là? Newt, tu m'aides? J'ai peur. Oh, il y a une clé là-haut. Oh, ça, ça craint. Quand il y a la peluche, ça veut dire qu'il y a des trucs en yellow. Attends, attends, viens, 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 viens. Oh. Je mets ça dans le chaudron? Non, je mets ça là. Newt, t'es où? Faut que tu m'aides à attraper une clé, j'y arrive pas. J'ai pas beaucoup fait d'efforts. Hein. Oh, je sais. Oh, c'était une des génites. Faut que Newt arrose la fleur. Et... Oh, c'est ici. Ok. C'est super. Comment je chope ça, moi? Je peux avoir un tabouret? Can I have some tabouret? Oh, il a pris le biberon, ça l'a calmé de fou. Mm.
automatique. Attire la clé, s'il te plaît. Il l'a attirée. Let's go. Attends, attends, donne-moi la clé. Merci. C'était ça la solution. Ça me fume. La solution, c'était nourrir le bébé pour qu'il attire tous les éléments. T'inquiète pas, je te remplacerai pas par ce bébé affreux. Et moche en plus. Bon, ça m'avance à rien d'être ici, ça m'avance à rien. La fleur 32C ramenée de Carcosa semble prometteur. La difficulté était de trouver un moyen d'administrer un enfant sans trop s'en approcher. Les babysitters n'ont aucun problème pour lui faire boire d'innombrables bouteilles de liquide mystérieux. J'aspire un truc que je voulais pas. J'aspire un objet qui allait sûrement m'être super utile. J'ai pas fait exprès. Ah, il est là. J'ai peur. Oh, j'ai peur. On fait quoi de ça? Ah, bah, je le mets là. Coucou. Ouais, bah, je l'ai mise, hein. C'est déjà fait, dude. Merde! C'est déjà fait si tu regardes bien. Mais faut que j'amène quoi? C'est pour envoyer un truc au chat? Oui, il est là. Je t'envoie, hein. Mais si c'est ça qu'il faut faire pour que tu me chopes la clé, va me choper ma clé! Un effort, hein. Non, c'est le bébé qui attire tout qu'il faut que je foute. Oui, c'est ça. Ça n'a pas... Mais j'ai déjà mis ça. Tu m'agaces un peu. Faut que je lui refasse boire. Ok, c'est bon, j'ai compris. New, il est là. C'est ça, fallait qu'il boive la potion magique, tout à fait. Hop là. Oh Newt, il y en a. Avec moi, le petit Newt. Il n'y a pas de courant. Mais si j'allume. Te barre pas tout de suite, te barre pas tout de suite. Oh, d'accord. Ok, ok. Ça a l'air normal. Ça, pour le moment, ça va. Ouais, les bougies sont bizarres, effectivement. Ça, c'est verrouillé. Et là, part de pizza. Ok. Je peux pas monter ? Like Zob. Une fois qu'il sert ce mioche, oui hein. T'es plus utile quand t'es pas en démon toi hein. Ok. Hein? Arrête!
Ok, il y a ça, il y a l'arc. Ah, il faut que je vois celui là-bas. Ok. Et carré. Le mieux, je balance des livres. Tout à fait, tout à fait. Mais... Petit con. J'ai rien à te balancer, mais quand j'aurai des œufs... Bon, j'en ai 3 sur 4, ça va le faire. Ah, le chat, c'est la clé. Je vais faire une omelette sur ta face, tu vas voir, et pour les champignons, regarde dans ta couche. Non, mais son slip, il se barre en courant. Même son slip, il veut pas. On va faire une interview ? Photo, là ? C'est horrible, hein. Ça, franchement... Je pense que tu serais mieux comme ça. Nickel. Bon, il me faut une pellicule, hein. Attendez, est-ce que t'as la pellicule? Y'a Omega Striker France qui a aimé ton tweet? Ah non, j'ai même pas vu! Trop bien! Raison de plus de refaire. En vrai, trop cool! Ouais, je voulais mettre un tag pour Omega Striker, mais j'ai pas trouvé le tag qui correspondait au jeu. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis. Eh ben, ils ont quand même vu. Incroyable. Trop bien. Nickel. Au poil. Je pense que tu serais mieux encore comme ça. Je crois qu'il soit en équilibre, mais qu'il n'est pas tombé. Nickel. Pas fou, pas fou. Là, c'est bien. Ah, il se relève. Les écrans d'attente dans Genshin. Mes photos. Je te permets pas. Hop là. C'est pas bon.
Qu'est-ce que t'as fait encore, toi? Je vais te développer un peu aussi. Ok, nickel, hein. C'est pas mal. Ah non, fallait pas! Par Pelofi! En plus de photos. Ah non, il me dit déjà, contient déjà? Ah non, c'est qu'il faut choisir une nouvelle pellicule. Pellicule. Voilà. Faut que j'en prenne plusieurs. J'apprends à m'occuper des enfants. Voilà. Mince. Faut que je prenne plus de photos, du coup j'en prends plus. Nickel, il est terrifiant. Pas bon. Prends plus de photos, mais oui, je veux bien, mais d'accord. Il faut que je remette ça là. Mais c'est bon en fait, au bout d'un moment, je vais pas en faire 15 encore. Oh, tout est cassé, c'est quoi qui est cassé? Qu'est-ce que ça fait? Décor a changé, ouais un peu, ouais. Ah bah il a encore changé alors je pense. Bon faut que je refasse encore alors. Bah c'est parti, super. On fait ça hein. Mais pourquoi? Pourquoi des fois il y a du décor et des fois il n'y en a pas, je comprends pas. Voilà, là il n'y a pas de décor par exemple. Et là s'il en reprend une, il va en avoir. Ah non. Bon. D'accord. Bon, je comprends pas ce que je vais faire quand même, hein. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je comprends pas ce que je dois faire. Quelle est l'énigme?
Parfois un décor, parfois il n'y a pas de décor. Ça dépend de... Enfin, quand il n'y a pas de décor sur... Je sais pas. Là, il y aura un décor. Faut que j'aille là-haut. J'avais pas vu. Mais comment je fais? Ah, attendez. Peut-être que là, en prenant la photo... Et en la développant... Si je mets ça, peut-être que je peux... Non mais ça change rien la pièce en fait, fondamentalement. Il y a un truc là-haut. Et ça je peux toujours pas l'activer. Ah je peux... Putain je suis couillonne. Ok. J'avais pas vu que je pouvais bouger machin. Ok. J'ai mis du temps à savoir que je pouvais bouger l'appareil vu que c'est un appareil sur pied, vieux, à l'ancienne et tout. Toi tu restes là. Qui est peut-être un peu trop fort pour vous. Marrant ce système. Assez rigolo quand même. Franchement, c'est sympa, c'est une bonne idée, j'aime bien. Il y a un jeu qui va être basé sur les photos qui va sortir bientôt. J'ai fait une demande, je sais pas si je l'aurai. Trop envie de le faire. Un jeu, vous savez, où on prend des photos et après on rentre, on pose la photo à un endroit particulier et après ça fait apparaître quelque chose et tout ça. Je mets des newts. Et c'est view quelque chose. Jeu casse-tête, ouais. Il sort durant juillet. Oh, on se calme, hein. C'est view quelque chose, mais j'ai pas le reste. On tire le chaudron. Ok. Arrête de chouiner, toi. Ah, il faut vert plus rouge. Donc j'enlève bleu. Ah merde, non, pas bleu. Allez, arrête un peu, hein. Je l'ai rendu tout malade. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis Newt, ok. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on l'a rendu tout balèze. Ok, je viens de comprendre. Oh, j'ai mis trop de temps. Mais il est trop... Mais ouais, mais ça a mis trop de temps. Mais oui, d'accord, mais bon... Ah, faut que je... Ok, j'ai compris. Hop là, je te fous là.
Oui, c'est un jeu avec un bébé, mais c'est un bébé démoniaque. Et du coup, on le bully. Mais lui aussi un peu nous bully. Du coup, voilà. Il est où? Arrête de... Attends, j'ai pas fini. Va là-bas. Ok, faut que je me dépêche. Il est trop lourd alors je suis super lente. Elle est trop lourd. Bon Newt, faut qu'on trouve un moyen de d'amener le bébé ici. Ou de poser le biberon, je peux pas le poser. Ouais, à chaque fois ça le détruit. Non mais tais-toi, en fait, je voulais pas faire ça. Je réfléchissais, et si je faisais le truc qui attire tout en même temps? Ben non, mais c'est con. T'as pas une réponse, toi? Désolé, j'ai pas fait exprès. Ok. Ah, faut que je l'amène ici, peut-être. Oui, c'est ça. Attends, si je fais ça. Ah, il apparaît tout là-bas. Let's go. Let's go, we've got the solution. Mais il va boucher les artères, là. Non, c'est là-bas. J'ai mis trop de temps. Les chercheurs du tribunal jaune disent... Surveillant éternel... Du le fléau... Attends. Surveillant éternel, fléau de jaune. Oh. 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 Je peux pas bouger ça? J'aimerais beaucoup bouger ici au pif. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ah, c'est ça qu'il me faut. Je pense. Arrête le bébé. Prête. Ça va pas l'arrêter tout de suite. Comment je l'arrête le bébé? Il fout le bordel sur les fleurs, il faut que je fasse un truc. Un truc à trouver là-bas? Non. Bonne nuit Grisou. Excuse-moi, j'avais pas vu. Des bisous. C'est bon, j'ai trouvé comment faire. C'est ça. March 12th. 12 mars. Log 901. Tiefties, oui, j'avoue. The view from the garden and the black star overhead is a mesmerizing sight.
Non, ça va pas nous aider beaucoup, je pense, cette entrée. Allez, vas-y, Newt. J'en ai déjà une de comme ça. Non ? Ah non, j'avais rouge, bleu, vert. On n'avait pas rose. Ça va. Ah, il est vénère. Je m'en doutais qu'il allait m'en vouloir pour cette tout petit. Juste parce que je l'ai canonisé. Ouais, c'est pas ça, mais... au moins, on comprend ce que je veux dire. Ça fait 2 heures de VOD, je vais l'arrêter là. Et on va reprendre tout de suite. Bisous les VOD.